Est-ce que vous savez pourquoi moi je parle beaucoup sur les filles? La majorité, c'est les filles qui prennent toujours les pots cassés. Une fille qui va à l'école, qui ne se concentre jamais sur ses études, elle ne fait que suivre les jeunes garçons. Elle ne fait que suivre les jeunes dans les maquis, les boîtes de nuit et les bars. Le jour où elle tombe enceinte, son école est gâtée. Elle n'a plus d'avenir. Ce même jeune-là, il est capable de lui dire que je ne suis pas le père de ton enfant. Je ne t'ai pas encore marié. Je ne t'ai pas doté. Je ne suis pas allé chez tes parents. Personne ne me connaît dans ta famille. Et toi, tu te livres à moi à cause des biens matériels de ce bas monde. Est-ce que moi, je suis censé, toi, te prendre au sérieux? Tes parents ne connaissent pas mes parents. Mes parents non plus ne connaissent pas toi, tes parents. Et toi, tu te livres à moi. Le jour des fêtes, tu fais même couple avec moi. Même habit, même couleur, même couleur de chaussures. Tu vas dans tous sortes de restaurants avec moi. Tu dors dans tous sortes d'hôtels avec moi. Tu vas dans les grandes résidences avec moi. Je me sers de toi comme je veux. Je fais ce que je veux de toi. Ma soeur, si demain, moi je te quitte pour te dire que ma mère m'a donné une femme ou une fille en mariage, est-ce que toi tu peux te plaindre? Tu vas te plaindre pourquoi? Tu n'as aucune raison de te plaindre parce que tu as bafoué ta dignité. Et quand on regarde, tu n'as plus une dignité parce que tu t'es livré à quelqu'un qui ne t'a même pas chassé, ni payé ta dot, ni te marier. Les filles, faites un pas en arrière. Être une fille, ça ne veut pas dire être bête. Être une fille, ça ne veut pas dire dégénérer. Être une fille, c'est d'être conscient. C'est d'être consciente. Quand tu regardes les jeunes filles d'aujourd'hui, tu n'as que tes yeux pour pleurer. Maluyati, ça m'a banné. Et t'es sur le tapis.